C'est une séance où on a cherché à donner du rythme au jeu, aux joueurs, et puis à leur donner des repères dans l'animation offensive dans un premier temps et dans l'animation défensive. Et on a même fini par travailler nos coups de pied arrêtés défensifs. On a très peu de temps pour donner un maximum de repères à nos joueurs, mais on a été très actifs dans ce domaine. Et on sait que nos adversaires ont déjà eu 2 matchs de préparation, donc on cherche à combler cette différence par un maximum de travail pour avoir que nos joueurs aient le plus d'informations possibles et de repères pour demain. Il y a un très bon travail qui est effectué, il y a une adhésion à ce qu'on propose, une recherche pour retrouver des automatismes entre eux. Et puis en parallèle, on cherche dans la vie de tous les jours à créer l'unité et cette ambiance, ce facteur qui permet à un groupe d'être plus fort qu'un autre, parce qu'il y a une vie intéressante et beaucoup de communication entre eux. Bah, l'objectif, c'est de mettre en place beaucoup de basiques dans notre jeu, que ce soit défensivement et offensivement, de trouver un jeu dynamique porté vers l'avant, la récupération du ballon, avec une belle utilisation de la largeur et évidemment toujours la recherche de la performance, donc de la victoire. Allez, matériel, les ballons, ramène tout. Non, là, c'est de la germe. Ouais.